Faut y Vas-y, aller. je m'en bats les couilles de ton rendez-vous. Maintenant, tu me passes ta sacoche. Handicapé ou pas handicapé, je suis toujours là, tente de te défendre. Je te mets une claque direct. Là. Viens chercher la sacoche. Tu veux la sacoche? Tu veux la sacoche? Tu veux la... Salut l'équipe, c'est Mikalash. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que j'avais sorti un tout nouveau clip, donc il est disponible sur ma chaîne Mikalash Music. Je vous mettrai le lien en description, merci sincèrement à tous ceux qui donneront de la force. Par la même occasion, je viens aussi de sortir en même temps ma mixtape. Je vous mettrai bien sûr aussi le lien en description, mais voilà, je vous conseille d'abord d'aller check le clip, et après du clip, vous pourrez aller voir la mixtape. Une fois de plus, merci très sincèrement à tous ceux qui me soutiendront et qui soutiendront ce projet. Sachez que c'est que le début, gros big up à vous. Je me suis fait tout seul, je me suis brisé les côtes. J'suis une nouvelle trap star, j'viens pour brimer les côtes. J'suis traumatisé depuis que j'ai quitté l'école. T'aurais dû mieux miser, maintenant j'suis à la cote. Ouais, à la cote, tu le sais. Mon âme sur le bon coin se fera racheter. Salut tout le monde, c'est Mikalash et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui a été très très difficile à réaliser, qui nous a pris beaucoup de temps de tournage. On a dû passer à peu près 2 semaines dessus avant de réussir à faire ce qu'on voulait. Donc je vous explique, ce que j'ai fait c'est que je me suis fait passer pour une personne handicapée qui marchait avec des béquilles. Et j'ai mis sur moi, pour attirer l'œil de personnes malhonnêtes, une sacoche de marque de luxe. Ce que j'ai donc fait c'est que je suis passé devant des groupes de personnes ou des personnes seules même des fois. Le but étant de tout simplement piéger une personne qui aurait voulu me racketter ou qui m'aurait fait quelque chose de bizarre. Voilà, c'est... On savait pas vraiment sur quoi on pouvait tomber ni sur qui, mais le but était d'essayer de voir un petit peu les réactions. Donc comme je vous ai dit, on a fait ça sur plusieurs jours. Je suis tombé sur des personnes qui m'ont ignoré, je suis tombé sur des personnes qui m'ont dit bonjour. Voilà, voilà, on est tombé vraiment sur tout type de personnes, mais il n'y avait rien de vraiment très intéressant. Et à force, on est tombé tout simplement sur une personne extrêmement malhonnête, et c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Comme vous allez le voir, cette personne était vraiment sans aucun scrupule, sans aucune pitié, sans aucun respect envers les personnes handicapées. Et personnellement, je trouve ça vraiment révoltant qu'on puisse tomber encore sur ce type d'individu de nos jours. Donc je vais profiter de cette vidéo pour vous mettre en avant l'association APF, l'association des paralysés de France, qui milite et font des actions pour les personnes atteintes d'un handicap. Donc voilà, je vous mettrai le lien de leur site en description. Si vous vous sentez concerné, si vous voulez soutenir la cause, même si vous voulez avoir un petit peu plus de renseignements ou d'informations, je vous invite à aller voir. Voilà, sachez que si je peux apporter du positif et soutenir des causes à l'aide de mes vidéos, je le ferai toujours. Donc voilà, je pense que vous avez plus ou moins compris ce qui va se passer dans cette vidéo. Pas la peine de vous en dire plus, de toute façon, vous allez voir, les images parlent d'elles-mêmes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air en dessous de cette vidéo si la vidéo vous plaît et que vous souhaitez me soutenir. Vous savez que c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos. Et comme je le dis toujours, n'oubliez pas de partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher et sensibiliser un maximum de monde. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire et je vous laisse avec le contenu de la vidéo. Bon les gars, je viens de passer devant le mec, là franchement il m'a l'air un peu bizarre. Je suis passé, j'ai fait genre que j'avais mal et tout, il m'a même pas calculé. Donc on va voir, je vais essayer de repasser devant lui dans le doute et je vais essayer de repasser plusieurs fois, on va voir s'il réagit, s'il me dit un truc ou quoi, on va essayer de le tester un peu. De quoi? Une clope? Non, je fume pas, désolé gros. T'as même pas une feuille, rien. Non, je fume pas du tout gros, j'ai eu un accident il y a 3 mois, tu vois, et j'ai pas. Ah non, je fume pas gros. T'as eu un accident de quoi? J'ai eu un accident en voiture. Voiture chou? Ouais. J'ai eu un accident. Ici sur Nice? Non, c'était pas dans la région, c'était. Enfin. C'est un peu compliqué, on va pas rentrer dans les détails, tu vois, mais en gros, je suis un accident. J'ai perdu 65% de mes capacités physiques. Je dois avoir un traitement à vie maintenant. J'ai perdu ma mère dans l'accident. De ouf. Ouais, du coup, ben là. J'ai plein de problèmes, là, je dois. Là, franchement, j'ai pas trop le temps, en gros. Désolé, je fume pas. Non, je suis désolé, je fume pas, gros. Je dois y aller, tu vois. Tranquille. Mais elle est bien, la sacoche. Tu l'as eu? Je sais pas, ça fait longtemps que je la cherche et tout, elle est pas mal, hein. Bah, la sacoche, genre. Ouais, c'est. Comme je t'ai dit, genre, tu vois, c'est ma mère est partie au ciel, tu vois. Ouais. Et c'est. Ben, j'ai hérité de. Ouais, ça lui appartenait, du coup. J'en ai hérité, tu vois. Ah, franchement, après, bon souvenir, mais. Comment ça, bon souvenir, gros? Je sais pas, la sacoche et tout, bien. Tu crois quoi? C'est des vacances, gros. C'est... J'ai perdu ma mère, gros. C'est pas des souvenirs, qu'est-ce que tu racontes? Je parle de la sacoche, je m'en fous de ta mère. Comment ça, tu t'en fous de ma mère? Un peu de respect, gros, elle est morte. Non, mais je veux dire, genre la sacoche, je te parle de la sacoche, tranquille. Bah, la sacoche, j'ai une de ma mère, j'ai dit, mais un peu de respect, gros, quand même. Ouais, vas-y, viens, assis-toi et raconte. J'ai pas le temps, je vais y aller, gros. Grâce, raconte-moi l'accident. J'ai pas moi le temps. J'ai fait l'accident, il y a un accident de scout il y a pas longtemps. Ah ouais? Ouais, t'as eu quoi? J'ai eu le bras, j'avais le bras cassé et tout. Ah ouais? Ouais, vas-y. J'ai pas le temps, gros, je vais y aller, franchement. Ah vas-y, en deux, qu'est-ce que t'as? Vas-y, allez, raconte-moi l'histoire et tout, après tu tranquille. Vas-y, c'est bon, parle un peu si tu veux, mais je sais pas, gros. Vas-y, raconte-moi. En gros, je t'explique, genre j'ai eu un accident avec ma mère, tu vois. Ouais. Genre on était en voiture. Quoi, qui conduisait ou quoi? Non, c'est elle qui conduisait, tu vois. Ouais, moi, j'ai survécu. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec 65% de mes capacités physiques réduites. Franchement, en gros, je suis déprimé, j'ai envie de me suicider, tu vois. T'as vu, grâce à Dieu, tu vois, t'es encore en vie, tu vois. Ouais, mais bon, franchement, des fois je me dis que j'aurais préféré partir avec ma mère, tu vois, ou partir avec ma mère reste, tu vois. T'es jeune, c'est bon, ta mère elle a fait sa vie et tout, c'est bon. Comment ça, elle a fait sa vie, gros? C'est par rapport à toi. T'es sérieux de me parler comme ça, gros? Je viens de perdre ma mère, tu me dis des. Franchement, moi je te dis la vérité, t'as vu cette sacoche là?
Je la cherche de partout et tout, j'ai envie de l'acheter, je sais pas, tu la vends pas? Non, franchement, je suis désolé, cette sacoche, tu vois. C'est en gros, c'est un peu un des seuls souvenirs qui me reste de ma mère, tu vois. Bah, c'est bon, je te l'achète un peu plus cher, tranquille. Et pour moi, non. Non, non, c'est pas une question de prix, ça a pas de prix, tu vois, ça a pas de. Quoi, sentimental? Ouais, c'est sentimental, voilà, franchement, c'est. Je sais que ça peut paraître un peu. Ouais, tu vois, mais pour moi, c'est sentimental. Pour moi, quand j'ai cette sacoche, c'est comme s'il y avait une part de ma mère qui était avec moi, tu vois. Tu veux pas délover en plus, tu vois. Non, frère, franchement, non. Non, franchement, c'est pas gros, je t'ai dit. J'ai plus goût à rien, j'ai. Je m'en fous, gros, l'argent, c'est pas ce qu'il y a. Vas-y, gros, moi je veux repartir là, je dois y aller. Allez, j'ai vraiment. Attends, je vais te raconter l'histoire de mon accident de scooter, t'as vu? Ah, mais je dois y aller, gros. Vas-y, je te raconte deux, je t'ai écouté depuis tout à l'heure. Vas-y. Explique-moi, ouais. Vas-y, moi je te raconte. T'as vu, moi j'étais là avec un collègue, tu vois. On était là sur la prom, sans casque, t'as vu? Ouais. Et genre, je sais pas, course-poursuite avec les Schmitt. Comment ça? Ouais, parce qu'en fait, je sais pas, mon pote, je sais pas ce qu'il avait fait, une affaire bizarre, tu vois, il m'a dit, ouais, mon danse coûte vite en 2-2, je sais pas quoi, on doit bouger sa mère et tout. Et là, je vois les chemises derrière, tu vois. Ouais. Et moi, je lui dis, ouais, t'es un loco, le paille, arrête-toi, non? Ouais. Et je sais pas, il voulait pas s'arrêter, du coup, moi, j'ai basculé, je sais pas, t'as vu, je sais pas comment dire, genre, j'ai eu peur et tout, j'ai pas eu le réflexe, du coup, je l'ai pas tenu, je suis tombé en arrière comme ça, je suis tombé sur le bras. Ah ouais? Et quoi, les chemises sont sorties, ils m'ont dit, ouais, arrête-toi. Et tout. Bah t'es un ouf non? Ouais. Et pourquoi tu me parles comme ça? Ouais. J'avais le bras cassé. Moi je dis ouais mais c'est pas moi j'ai rien fait. Ouais mais au final. Elle m'a dit ouais monte, je suis monté, t'as vu? Ouais j'ai capté mais au final t'es encore en vie tu vois. Genre... Ouais mais t'as vu le bras là il est pas tranquille tu vois. Moi j'ai perdu ma mère gros, ouais, ma jambe. C'est pas pareil toi tu vois. Ma jambe elle est non, désarticulée. C'est pas pareil. Comment ça c'est pas pareil. T'as vu moi collé au cul des chemises tu vois. J'étais là je fais la garde avec tout. Presque en prison, il m'a dit quoi, tu sais, parce que j'avais des histoires avant, t'as vu? Ouais. Mais moi, je suis pas d'ici de base. Moi, je viens de Grasse et tout. T'as vu, là, c'est plus chaud, tu vois, là-bas. Ouais. Et là, ici, franchement, les Schmitt, ils font trop les cow-boys. Sûr, oh, il faut les en. Mais franchement, bien la sacoche, franchement. Ouais, merci, gros. Ouais. Tu peux me montrer un peu l'intérieur, j'ai jamais vu l'intérieur. Ah, je vais y aller, frère. C'est bon, tu vas pas partir maintenant. Je suis là, je suis en train de te parler. Vas-y, aide-moi à me relever, s'il te plaît, gros. Tu peux m'aider à me relever? Vas-y, laisse-moi, c'est ta sacoche, non? Vas-y, je dois y aller, gros, j'ai pas le temps. En plus, je suis là, bah. En plus, j'ai même pas de batterie, tu peux pas me donner l'heure en 2-2. Ouais, je te donne l'heure, si tu veux, mais je dois y aller, gros. Voilà. Un peu la béquille, là, je teste un peu. Ouais, vas-y. Quoi, tu marches vraiment? Fais gaffe, les. Les abîmes pas, c'est pas. Tu marches vraiment comme ça, là? Bah ouais, c'est pas facile, gros. Il est 16h30, là. Qu'est-ce que tu fais? Les abîme pas, frère, s'il te plaît, j'en ai besoin pour. Ah ouais? Vas-y, passe. Moi, me relever, s'il te plaît. Ah, gros? Vas-y, passe-moi mes béquilles, gros, je dois y aller. Passe-moi mes. Je dois y aller, gros, laisse-moi pas. Tu te cagues. Mais n'importe quoi, je dois. Tu te cagues comme ça. Qu'est-ce que tu fais, gros? Tu te cagues comme ça. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, fais-moi essayer la sacoche, non? Mais non, mais je dois y aller, gros, j'ai un rendez-vous. Par contre, crie pas, je te jure. Crie pas, je te jure. Pourquoi tu fais le Mario? Tu veux que je t'envoie une claque ou quoi? T'as pas honte de faire ça? T'as pas honte, recule. Recule. Maintenant, gros, je te dis, j'ai un rendez-vous, je dois y aller. Je m'en bats les ton rendez-vous. Maintenant, tu me passes ta sacoche. Comment ça, je passe ma sacoche? Quoi? Handicapé ou pas handicapé, je suis toujours là. Tente de te défendre, je te mets une claque direct. Là. T'as pas honte de faire ça? Je t'allonge. T'as pas honte de faire ça? T'allonge. Maintenant, on va. Vas-y, remonte, mes béquilles. Lâche, touche pas. N'abîme pas la sacoche. Je l'abîme pas, l'abîme pas. C'est tout. Lâche la sacoche. Envoie, maintenant, elle est à moi. Je fais rien t'envoyer du tout. Envoie, elle est à moi maintenant. J'ai rien à toi, gros. Et non, elle est à moi maintenant. Envoie. Tu vas faire le mariole? Quoi, je vais faire. Tu vas avoir des problèmes. Quel problème? Tu vas avoir des gros problèmes. Toi, tu veux pas avoir des problèmes. Recule. Lâche la sacoche. Lâche. Tu fais le malin. Tu fais marier avec quelqu'un qui a des béquilles? Tu me rends avec quelqu'un qui a des béquilles? Tu vas te lever, tu peux pas, tu peux rien faire. Pourquoi tu fais le malin comme ça? Tu ferais ça à une personne valide comme ça? Toi t'es pas valide, donc pars pas comme ça. T'as pas honte de faire ça, gros? Attends, passe-moi ta sacoche, je te dis handicapé ou pas handicapé, passe-la moi. Comment ça, handicapé? Quoi, handicapé. Te marave, ou quoi? T'as pas honte de faire ça? Te marave, ou quoi? Recule, lâche-moi. Je te démonte ta sacoche maintenant ou je te démonte. T'as pas quelqu'un handicapé dans ta famille? Ta sacoche maintenant ou je te démonte maintenant. Tu ferais le malin avec moi si j'avais pas des béquilles? Va t'envoyer mes béquilles là-bas, vas-y, rends-moi mes béquilles maintenant. Je te les rends pas tes béquilles. Qu'est-ce que tu vas faire? Envoie la sacoche. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux la sacoche? Recule, je vais te donner, recule. Tu veux la sacoche? La sacoche, regarde, tiens. Viens chercher la sacoche. Tu veux la sacoche? Tu veux la sacoche? Tu veux la sacoche? Vas-y, viens là. Vas-y, viens là. Arva. Il est parti avec la béquille. Putain, il a laissé là. Ah, je crois qu'il est parti avec l'autre béquille. Merde. C'est la sacoche, elle est là. Chier, sacoche. Je suis
fait tout seul, je me suis brisé les côtes. J'suis une nouvelle trap star, j'viens pour brimer les côtes. J'suis traumatisé depuis que j'ai quitté l'école. T'aurais dû mieux miser, maintenant j'suis à la cote. Ouais, à la cote, tu le sais. Mon âme sur le bon coin se fera racheter.